Alors, je m'appelle Valentin Lesage, je suis responsable travaux et architecture pour le coq sportif. Je m'occupe principalement du retail, donc des boutiques en Europe. Et cette année, j'ai la chance de pouvoir suivre un projet d'envergure puisqu'on réhabilite le siège social à Romilly-sur-Seine. Le projet est conçu par 5-5 Architecture et ma mission est d'apporter l'ADN du coq sportif pour s'approprier au mieux le bâtiment. Donc je m'appelle Didier Fèvre, je suis architecte. J'ai travaillé sur ce projet depuis le début. Le coq voulait impérativement revenir de manière centralisée à Romilly-sur-Seine pour retrouver l'origine du coq. Comment réhabiliter un bâtiment à rez-de-chaussée qui est en chaîne, en prolongement de l'atelier et dans lequel on pouvait construire 3000 m². Comment retrouver un concept cohérent entre ce qu'on a en tête du coq et ce qu'on veut en faire. Donc on a commencé en août 2021. C'est un projet qui devrait se terminer courant janvier 2023. Alors après, le concept du bâtiment est assez simple. C'est d'abord garder l'image extérieure d'un bâtiment industriel, représenté par les sheds. Deuxième concept, concept de transparence. Non seulement transparence intérieure entre les bureaux, mais transparence de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Les fondations sont coulées, prêts à recevoir la structure métallique. On a conservé les murs d'origine du bâtiment, donc qui sont en pierre et briques. Le sol sera en béton, les murs resteront en béton brut, donc on garde ce côté, cette signature industrielle, partout. Avec ponctuellement des touches de bleu, de blanc et de rouge pour colorer et dynamiser le lieu. Il y a une chose aussi sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est relier la partie ancienne, la partie atelier, de la partie nouvelle. Donc en fait, il y a une espèce de continuité visuelle entre les deux parties. Travailler pour le coq, c'est une fierté. Ouais. C'est un projet de plus de 3000 m² de construction, ultra moderne. C'est vraiment une fierté de pouvoir travailler sur un projet de cette envergure.